Hey! Salut! Comment tu vas? On essaie de faire des intros à l'impro. On enchaîne l'épisode dernier et celui-ci. Donc, l'épisode dernier, c'était la semaine dernière. Et donc, là, on enchaîne. Toujours pareil. Ouais. Est-ce qu'il y a eu les 100 likes, tu penses? Je sais pas. Moi, je pense qu'ils y sont eu. Moi, je pense qu'on a eu les 100 likes. Oui, mais les 5 dislikes aussi. Ah, non, je pense pas. Non, dislike et pas. Du coup, est-ce qu'on montre ta tête sans chapeau? Non, je refuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les 100 likes, moi j'ai aucune preuve. On aura peut-être la semaine après. Mais apparemment la semaine d'après, il enlève le chapeau. Donc faut remettre 100 likes. La petite cote, tu sais. Vous remettez 100 likes si vous voulez voir Justin sans chapeau. Et vous faites un don à SD. Ouais, d'ailleurs, mes donations. Non, je rigole, bien sûr. Du coup, on va prolonger Eric Bertrand Bailly parce qu'il nous demande tout simplement d'être prolongé. Donc on lui donne. Il le mérite. Il le mérite. D'ailleurs, on va regarder les fins de contrat. Est-ce qu'on avait déjà regardé les fins de contrat? Carrick, Wilmock et Zlatan. Donc, est-ce qu'on fait des petits trucs là-dessus? Bon, Carrick, c'est la fin de carrière. On s'en fout. Ouais, oui, et c'est la retraite. Zlatan, est-ce qu'il a le plus gros salaire? Zlatan, coûte cher. Il a le plus gros salaire. Hein. Pour pas grand-chose. Hein. Par semaine, t'imagines? 300K par semaine, le mec. Ouais. Dégage. Hein. Et l'offre en laisse aussi. Wilmock? Ouais. Wilmock, c'est un 58 de gêne. Hein. Oui, mais c'est vrai, il peut pas. Tu te remets ton petit chapeau, hein? Du coup, en gros. Non, ça me gratte tout. Écoute, c'est ton problème, t'as qu'à l'enlever. L'épisode d'aujourd'hui, 3 matchs avec Southampton, Middlesbrough, pas mal. Mmh. Et. Non, c'est de la merde. West Brom et Chalfont pour le dernier match. Après, il restera que 2 mois, donc il restera, on va dire, 2 épisodes. On fera en sorte qu'il reste que des épisodes. En vrai, après c'est 2 bons. C'est deux... Après, il y a 2 épisodes assez qualitatifs. Avec des belles équipes, ouais. On a du Everton-Chelsea dans le même épisode. Ouais, Swansea qui est pas mal aussi. Et puis là, Arsenal, Tottenham. À la limite, on fera 4 matchs. Ouais, on fera 4 matchs les fois prochaines. Pour terminer. Non, 3 et 4. 3 ou 4 et 3. Enfin, on s'arrangera. En tout cas, aujourd'hui, c'est 3 matchs. En classement, on vous le montre. Voilà, vous le voyez. On est actuellement 3ème à égalité avec la seconde place. Et aux mêmes différences de buts. Ah, ils ont un match d'avance, j'avais peur, j'étais en mode 9 points, c'est quoi ça faire? Ouais, j'avoue. Donc, si on gagne, on passe à 6 points d'Arsenal. Ça, le titre est loin. Sachant qu'on va les rejouer. Ah, si on les rejoue. Ah, ça peut le faire. Après, il faut gagner. Oula, pardon, excuse-moi. Alors, quel maillot tu trouves le plus beau? Moi, j'aime bien le bleu. Le bleu est beau, hein. Le bleu est magnifique. Ouais. J'aime bien le petit motif. C'est vrai que c'est un petit motif, genre un peu militaire, mais pas réellement militaire. Oui, c'est ça. Oula, rouge et rouge. Ouais, ça fait hémorroïde. Alors, je vous rappelle qu'on a la blessure de Martial. Ouais. Donc Martial n'est pas là, sinon c'est quasiment l'équipe type. Et puis voilà. Et puis Zlatan il joue pas parce que clairement pas bon dans le jeu. Hein. Clairement pas. Enfin, c'est pas notre registre. Voilà. Ouais, c'est pas notre style. On essaie d'aller vite dans l'avant. Donc voilà. Du coup, on y va pour ce match, ouais. Les gars. Les meilleurs moments en légende. À deux. C'est parti. Go. Miss. Il a mis partout ça. Qu'est-ce qu'il fait? On va pas laisser empirer. Et voilà la blessure de notre ami Antoine Griezmann. Qu'est-ce que c'est surprenant! Est-ce qu'on peut pas faire un petit bidouillage? Soit mes Rashford Rooney. En pointe. Soit mes Rashford et Rira, mais sinon antibras, simplement. Antibras. Oh, on a pas de chance quand même. On fait que se blesser les buteurs en plus. Hein. Franchement, on a un nombre de blessures, c'est impressionnant. Ah, il pouce bleu pour les blessures et pour compatir. Putain, je gratte des pouces bleus, c'est incroyable. Allez, on y va, on continue, mais blessure de Griezmann. Oh non. Zlatan va au centre. C'est Rames. Non, mais Rames de la tête, on le connaît. Hein. Normalement, il aimait plus. C'est que. Ah, elle était haute. Non, elle était haute la balle. Toi, des fois, t'es boule gourée. Non, c'est américain. Allez, vas-y, Zlatan. Non, mais c'est quoi? Mais il sert à quoi, Zlatan? C'est le chignon qui a touché. Attends, mais what the. Mais mec, il. Oh. En vrai, elle arrivait bien. Mais ouais, qui fait un effort, ça aurait été Griezmann et tout, ils auraient sauté comme des cabris, mon gars. Ça aurait été Danilo, il aurait volé. Mais mec, Danilo, c'est un monstre. Les vrais appels du jeu, tu vois, contre le cheaté. Full réussite de Fellaini. Fellaini en plus. Je suis deck, quoi, putain. Full shot du script, ça fait chier. 45ème plus 3. Les comptes favorables, 1. Et voilà, hop, le petit compte favorable. Ça, c'est chaud. Fait chier, quoi, fait chier. C'est Fellaini. Ça peut faire chier. Y'a rien! On me dit la fourriette, il a pris. Please, s'il vous plaît, il a pris un marron. Du coup, Zlatan, les non, mais Zlatan, il est en mode pas les couilles. C'est combatif, le mec, il est en mode non, mais l'autre il est blessé, je suis obligé de jouer. Ah, mais lui, en fait, il veut juste prendre son chèque toutes les semaines, et puis voilà. Hein. Oh là, mais c'est quoi ce. Putain, merde. Rien, l'arbitre. Oui, il a tiré.
taclé comment ah, si voilà, il y a une faute quand même, je dis boîte de fugue. Boîte de fugue les petits amis, CSD Lafarge Pokémon. Ah. Voilà. Bah oui, attends. Bien joué ça. Allez, allez. Allez Rashford. Allez. Ah putain, c'est parade de Forster. C'est dur à dire Forster. Forster. C'est dur à dire. Reviens là. Bon, ça c'était américain. C'est américain, Isa. Oh là là, mais ils sont dans le dur, hein. Et nous, on est bien. Hein. Allez. On a eu malheureusement les blessures de nos leaders d'attaque. Voilà, c'est terminé. C'est défaite. Martial, ça fait mal. Parce que Martial, il, sur son côté, il faisait mal. Hein. Bah putain, ça saoule parce que on mérite pas la défaite. Hein. Au moins le nul me semblait logique. Une action. Logique et mérité, donc. Un petit peu de déception, encore une blessure, ça saoule 3 mois, putain, mais ils sont tous fractures de la cheville, tous. Ça saoule, hein. On va acheter des prothèses. On fait quoi? On met qui, du coup, on pointe? Je sais pas. Il faudrait un mec rapide, parce que le problème de Rooney, c'est qu'il est pas rapide. Donc, Kovacic, est-ce qu'il y en a un qui peut jouer un petit peu à gauche? Toi, tu peux... On va mettre Rames, hein. Puis on met Rooney plus haut. Non? Ou on met Darmian? On peut mettre Rames à gauche. Tu mets Rooney. Ouais, ce que je viens de dire, je viens de répéter ce que je viens de dire, en gros. Quoi. Mais écoute, on va mettre Carrick après sur le banc. C'est dommage, franchement, je suis attristé de toutes ces blessures parce qu'on en a trop cette année, vraiment. Franchement, on aurait pu faire une meilleure saison sans toutes ces blessures. Mmh. À un moment, on a eu genre 4 ou 5 attaquants. Alors il faut mettre. Arrête, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin. Kovacic. Alors Rashford, déjà, il faut le mettre parce qu'il n'est pas entraîné apparemment. Et on va mettre Kovacic, le milieu de terrain. Il est où? Il est là, 22 ans, donc il peut bien progresser. On va lui faire faire quoi? La création d'occasion, la 61 de finition, putain. C'est nul. Ah, c'est pourri. Du coup, ouais, on part. Alors, chaud, ouais, chaud, Fossou. Ouais, c'est bien. On garde ça après, je pense. Fossou. Ouf, le dé qui fait pas trop bien. Ah, ok, Rashford, il augmente en finition. Et en puissance de tir. T'as vu. Rashford est très bon en volée pour monter à 99. J'aurais de le savoir. Ben on fera que des volets du coup. Il y a Guibert Cambayi qui prolonge, ça fait plaisir. Ouais, ça. Il doit être content. Allez, je prolonge. Middlesbrough, ils sont combien? Ils sont, je les vois pas, 8e. Ils sont en deuxième ligue. Quoi. Ah bon? Ils sont 8e. Alors après, il y a une trêve et on jouera West Bromwich Albion. Donc voilà, on va y aller pour ce match tout simplement. Ouais. Au classement, ça donne quoi? Ça donne qu'il y a 50 points. Qu'on est à 9 points du coup. On a un match de plus que Liverpool qui pourrait passer devant. Et Chelsea aussi. Donc c'est un petit peu la PLS, hein, ça par contre. C'est vrai qu'il nous a mis un peu mal ce match. Donc on va partir avec cette équipe. Et puis voilà, on y va pour les meilleurs moments. Gomis quoi. Ouais. Oh, attention, ça frappe de loin. Deron. Il est carré. Peut-être les passes au bout d'un moment, tu vois, j'ai un truc qui est un petit peu... Ah. Ouais, ou alors, joue tout seul, hein. Écoutez, il y en a une manette pour deux, y'a pas de problème. J'aurais même pour moi, je pense que c'était nul. Je pense. Le Marine Leleu. La fameuse youtubeuse. La youtubeuse de chez YouTube. Qu'est-ce que tu racontes, c'est qui? Tu connais pas Marine Leleu? C'est vrai. C'est une meuf qui fait des vidéos avec InShape. Oui, d'accord. De carrière avant. Eh, ça c'était construit. Parce que là, tu vois, là ils ont la zizanie. Oh. La zizanie. Ramesh, il s'est joué de son adversaire. C'est pas un attaque dangereux, hein. C'est à la gorge. Ça me connaisserait en foot. Hein. Mais ça, mais. Faisceau. Pourquoi tu m'as fait ça là? Faisceau. Ta blague, elle est pourrie. Oh non, il y a Bamford. C'est quoi, gardien? Pourquoi il est sorti? Mais c'est pas moi. Mais arrête. C'est pas moi. Non. Je t'ai vu. Non. Non. Non, c'est pas. Un bourgeois. Un bourrelé. Oh. Oh, c'est beau. Le bout contrôle. Là, mec, t'assures. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais il a le temps. Arrête. Ah, mec, ça c'est magnifique, ça c'est lumineux ça. Ça je veux voir le ralenti parce que ça c'est vraiment mal pour moi. C'était 0-0 hein. Qu'on arrive à marquer dans ce match, ça m'impressionne. Et l'action est magnifique hein. C'est lumineux. Regarde, Danilo. Oh, Danilo qui fait des passes mec. Après là j'ai eu la pression. Et là boum.
Elle est belle, hein. Le petit rebond, franchement. Sans le rebond, y a pas le but, je pense. J'hésite à faire un lob, comme il est vachement sorti, mais j'ai dit si en ça vrai, passe en pas. Vrai, au début, je t'allais faire un lob, je fais le lob, il passera jamais. C'est quoi, j'ai dit ça respecte. Genre, je m'arrête, et il sort, et j'arrête. Mini lob de merde. Putain, tu c'est récupéré, tranquille. On gagne du temps, on gagne du temps. Mais toi, c'est l'argent. Et le temps, il est terminé, vu que le match est fini. Bravo. Putain, on a gagné. Inespéré. Parce qu'il n'y a eu pas d'action. Ah ouais, c'était chiant. C'était chiant parce qu'en plus ils avaient le ballon, donc vous n'avez pas dû voir grand chose. Vous êtes sur une minute. Clairement, j'ai peut-être mis des petits moments drôles, hein, si j'y pense, bien sûr. Si j'ai pas la flemme. S'il y avait des moments drôles, du coup. S'il y a eu des moments drôles aussi, parce que du coup, il y a eu des blagues un petit peu douteuses aujourd'hui. Hein. Bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous. Les petits entraînements, encore une blessure. Ah non, les sélections, j'ai eu peur. Du coup, on va full entraîner Kovacic. Hein. J'ai pas Pogba, mais il doit être sélectionné. Oui. On va lui faire des tacles et toi, Kovacic. Et on va entraîner qui après? On va entraîner. Pas Fossou. Hein. Non, Fossou s'entraîne trop. Gribine? On va pas entraîner Gribine, personne ne sait qui c'est. Carrick fait ses prometteurs de l'entraîner. Je pense qu'il va augmenter là. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'il peut un petit. Peut-être le gardien. L'entraîner en gardien un peu, Kovacic. Ça pourrait nous faire un nouveau gardien. Le mec, c'est le dépanneur. Il dépanne. Hop, la sélection anglaise, je refuse sans vergogne, sans respect. Et sans c'est peut-être revenu de sélection. Non, je le sais, j'ai l'habitude. Du coup, voilà, petit A. Oh, beau entraînement, petit BBBB, c'est pas mal. Pour Kovacic, je suis assez content. Donc là, si vous entendez un petit bruit de fond, je ne pense pas, c'est le feu d'artifice de mon village, incroyable. Hein. Nous ne sommes pas en train de flatuler. Merde, ils nous ont grillé. Quoi Ça, c'est très très mal joué, par contre. Ah mais c'est beau. On le voit. On le voit pas du tout. Si. Je rigole zéro, on le voit là. Tu vois pas là? Je vois rien du tout. Tu vois pas? Non, je rigole pas. Attends, là on voit rien. Là tu le vois, t'as ouais, les arts. On le voit. Bon mais on voit le... Ça vous plaît? Salut. Ça va les gars? Tu le laisses ça, c'est pas. Ah oui, ça je le laisse, ah oui, vous le verrez. Pas le feu d'artifice, nous. Nous, hein. Ouais, bon. J'espère que vous rigolez beaucoup. C'était marrant, hein. Du coup... En vrai, faut se maintenir dans le top 4 pour être en Ligue des Champions. Ça pourrait être pas mal. Et puis on est pas loin. On est bien, franchement, on est bien. Coutinho, 17 buts. Il est un petit peu tout seul devant. Hein. Ça va? Ouais. On te dérange peut-être? Un petit peu. Ah. C'est que c'est un truc de meuf quand même. Bon, tout va bien. Du coup, on va jouer le dernier match de la vidéo. Attends, contre West Bromwich. Est-ce que je peux le poser parce qu'il me gratte? Et tu vas enlever le chapeau en vidéo? Non. Et pose-le à côté. Alors, non, vas-y. Vous verrez que dans le match, il va changer de chapeau. On vous dit pas quoi encore, mais il changera de chapeau. Voilà. Du coup, on y va pour ce match. Hein, et pendant ce temps, il va se lever et partir. Donc, on y va. Go, miss. Tout ça. On regarde là. Hey, go, miss. Moi, je miss. Ah. On y va, les potes, pour ce match. Du coup, en légende, toujours pareil, mais au moment, c'est parti. Oh, ça va. Non, ça va, ouais. Salut, les gars. Mais on se retrouve pour le match, hein. Et donc on a à côté de moi, j'ai la chance d'avoir un coureur du Tour de France. Je suis assez heureux. Donc comment tu vas? Ça va très bien. Mais voilà, du coup il a changé de chapeau parce que son chapeau le grattait. Ah merde, c'est moi qui joue, putain. Oui c'est toi. Et du coup il a mis un casque de vélo. Il faut savoir que dans mon bureau il y a un casque de vélo quand même, hein. Voilà, parce que je suis un mec un peu sportif. Sur mannequin. C'est moi le mannequin. Non, c'est faux, c'était une fille le mannequin. Et il ne le croit. Genre eh Strasbourg, oui. Une zone de formation. Mais il y aura. C'est vrai. Ouh, la tête de Philips. Petite blague avec Philips, peut-être. Mais t'as pas vu, il a des bons rasoirs. Hein. Ah, je m'attendais plus à une blague sur les télés. Bah, c'est pareil. Attention. Okay. Ouf, oh, la clé passe. Ça, c'est. Allez, vas-y. Mec, vas-y, tu fixes, vous frappez. Oh, même. Oh, yo, mais quelle action. La panthère, et non, ce sera un dab aujourd'hui. Et oui, 1-0, mec, la passe, je sais pas comment elle passe. Et après, Rashford, est beau, hein. Franchement, la frappe est vraiment belle. Franchement, la passe, elle est lumineuse. Elle est un peu excentrée après, et puis vraiment, t'as attendu le dernier moment. Hein. La frame, une frame plus loin, c'est fini quoi. C'est vrai. Regarde, hop là. Oh, la tête qui prend. Evans, tu dois être trop dégoûté. Hein. Du coup, 1-0 dans ce match, ça commence super bien avec un but de Rashford. Ah, mais il y a le gazi qui nous respecte. Mais comment ça nous est brisé, ça verra bien. Tu sais que ça me casse les couilles quand je suis en record et que j'ai ça. Genre maintenant, quoi, tu vois. En record là? Oui, c'est en record. T'es sérieux, je. D'accord. Vas-y, je t'emmerde, n'hésite pas du coup.
Tranquille, mais vraiment derrière, là, je sens la sérénité en lui, tu vois. Faut que tu l'aies, faut que tu l'aies, faut que tu l'aies, faut que tu l'aies. Il est chaud. Oh, j'ai eu peur. Là, j'ai vu le but, hein. Ouais, mais ouvert. C'est le WB. Hey. Mais non, parce qu'on a un gardien énorme. Il y en a Marc Trouro qui fait... Arrête. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Qu'est-ce que tu fais? Mais il fait quoi? Mais les gars, il fait quoi avec son casque de vélo déjà? Mais un tir, un but, un tir, un cadré, un but. Bien joué ça. Bien joué ça. Ouh, la belle frappe. Foster qui est là pour faire l'arrêt. On a un corner. Maintenant, à jouer, vas-y, on a des gros gros joueurs de tête là par contre. Comme souvent d'ailleurs. Oh là là, ou alors on a. Oh Dieu! Oh Dieu! J'ai rien compris, comme d'habitude, nous ne comprenons rien. Je lui ai tiré, tu nous as fait. Le mec, il nous a fait une petite aile de pigeon. En vrai, il aurait échelé une frappe sur ça. Il ça aurait été magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a les couilles, c'est pas qu'est-ce ça qu'on veut voir. Ok, mais en tout cas, il y a eu un gros cafouillage parce qu'après, il y a Kovacic qui l'a touché. J'ai pas trop compris. En tout cas, vous pouvez mettre le ralenti à l'infini. Nous, non, actuellement, c'est impossible. Pas comme. Tu l'as vu. Écoute, il y a Dormson. Ah, d'accord, c'est quand même bien corner. Hein, on va pas se... Là, c'est moi qui le tape. Oh, tu l'as vu, Roro. Roro et l'Odoman. Oh, Eric Bertrand, bah il était là. Bah il était là. Bah il est égoïste, Roro, il demande le ballon. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Ouais, un petit peu égoïste ce coup-là. Attention, attention. J'attends de passion. Oh putain, fais chier. Fais chier. Bon, après là. Je ouais, mais si, il y a un trouage. Regarde, le petit mec qui tacle avec le 3 là. Qui a fait la Zumba au milieu. Zumba. Ah, la défense, putain, fait chier. Après, ça fait chier qu'on ait pas nos joueurs parce que là, ça fait mal qu'on ait pas Martial et tout. Vraiment. Je suis assez d'accord. Mais bon, c'est, ça fait partie du football. Ouais. Oh là là, mais allez vrai, aussi, vrai, comment. Ouais, mais mec, il y avait le tir aussi, il était magnifique. Ouais, Chord était seul, il y avait trois mecs dessus, et ça aurait été contré à tous les coups. Tu vois, donc, on prend au froid, d'accord. Oh là là, derrière la parade, derrière. Et là, tu sais que ça a fait un peu. Tu la vois. Ah, mec. Ah, allez, allez, c'est pas fini. Le corner, le dernier. Le dernier de ce match, il a un casque. Putain, qu'est-ce que c'est ? Je me tourne la tête, il y a un mec avec un casque. Laisse-le, il y a corner. Oh, j'ai cru que t'allais le mettre. Il y a tout seul. Non, tu sais que je vais mettre dans l'autre sens. Vas-y, là, mec, là, je le sens bien. Marcos Rojo avec le petit diamant. Mais c'est un plus 4. Ah putain, fait chier. Ouais, le plus 4 là, c'est mais Uno, ça bien bien entamé déjà. S'il faut aller vite vers l'avant. Ah, ah fait chier. Ben, match nul. Ah, c'est voilà. Très nul ce match. Une erreur de défense. Et ça nous a coûté malheureusement 2 points. Alors c'est qu'on vrai. A dominé et qu'on a mérité de gagner. Ah, là, les erreurs elles sont là, donc aujourd'hui 4 points sur 9 possibles, c'est pas un bilan très positif. Je sais pas ce que t'en penses, monsieur casque. Pas de blague là-dessus, donc on va pas en faire. Du coup, classement, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que t'en penses au classement? C'est compliqué, hein. Troisième. On joue la Ligue des Champions. Oui. On y est bien d'ailleurs, dessus. On est plutôt pas trop mal classé non plus. On va remettre des joueurs un petit peu plus. C'est net, Paname, c'est la Champions League. C'est vrai que Paname, c'est un petit peu la LDC, comme on dit chez les footix Paris. Quoi ? Francilien. Francilien. On va entraîner Rashford peut-être à la finition. Tu peux lui faire des volets. Ouais, mais ça, on peut lui faire des volets. On s'en fout des volets. C'est sûr, il doit faire une volée. Voilà, du coup, les gars, on va se laisser là-dessus pour cet épisode qui était bien cool. J'espère qu'il vous a plu. Le pouce bleu pour ça, bien sûr. Kovacic qui prend un plus 1, voilà, ça fait plaisir. On vous montre le rapport tout de suite. Je ne parlerai pas de Christophe. Hein. Christophe Jallet. Je ne sais pas pourquoi il me parle de Jallet, mais c'est pas grave. Hein. On peut parler de Jallet si tu veux. Du coup, derrière, voilà, plus 1, Carfaral. Bailly, ça n'a pas bougé en termes de général. Mais 41 matchs, hein, Bailly, Rojo. Hein. C'est plutôt beaucoup déjà. Hein. Pereira. Très bon, que j'aime beaucoup. 7,70 de note générale, hein, c'est plutôt énorme. Plus 3 pour Pogba, bien sûr. Mkhitaryan qui fait pas mal de matchs. Kovacic. Qu'est-ce que tu fais? On fait le rapport d'équipe là. Essaye de mettre des petits commentaires intéressants plutôt. Hein. Ouais, Rashford. Ouais, Rashford, toi, tu lis le nom quoi, en gros. Ouais, très bien, merci beaucoup de ton aide. Plus 3 quand même, Luke Shaw, depuis le début de la saison. C'est quand même pas négligeable, je pense.
Et puis après on a eu Martial. Ah, Touré, y a pas. Martial 5 semaines encore. Griezmann 2 mois. Donc ça fait beaucoup. Yann Ouyaï. Pereira, Varela. Paul. Quel joueur t'as dit qui était bien? Tout dernier, ouais. Axel Tounzombe, Twan Zombe. Ouais. Tu aimes bien? Oui. Pourquoi? Parce que... Dis-nous, je veux tout savoir. Je peux le tester, il monte très très bien. Il essayait très très bon défensivement. On l'appelle le mur. Le mur? Ah, ce qui paraît, c'est Danilo qui l'a construit. C'est vrai? Danilo, oui. Il construit les joueurs. Oui, mais en fait, c'est que Danilo, il leur apprend, tu vois. D'accord, donc c'est sur cette blague pourrie qu'on va se laisser aujourd'hui, je pense. Non. Non? Si, quand même, un petit si, peu. Si, il faut. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai de la route d'affaires, moi. Impossible de finir une vidéo correctement ici. Du coup, on se laisse pour cette vidéo. On se retrouve la fois prochaine, donc la semaine prochaine, c'est j'espère. Hein, si on arrive à trouver le temps de tourner. Ouais, c'est incroyable. On aura 2 semaines, donc bon. Voilà. Demain, vous êtes l'OL. Hein. Toujours pareil, le dimanche. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Hein, on vous fait des bisous. Oui, bisous. Ciao. Ciao les gars, passez une bonne journée. Tchuss.